Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h, c'est Magie Jazzy, toujours avec Maurice Douda, allons-y. Alors parfois on me demande de présenter des effets plus personnels, des variations, des versions de certains classiques. Je l'ai déjà fait, hein, si vous cherchez dans les vidéos, dans les playlists. Et bien ce soir, c'est effectivement ma version, une variation sur les As d'Ofzinser, que j'ai trouvé en fait dans un livre. Celui de Roberto Giobbi, Cours de cartomagie moderne, volume 3. Un excellent livre. Roberto aborde cet effet, un classique hein, de Ofzinser à la base, que Larry Jennings avait aussi abordé. Il en avait fait une version. Et puis là, évidemment, dans ce bouquin, eh bien, Roberto Giobbi livre sa version. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas livrer la mienne. Voilà. Donc, une variation sur les As d'Ofzinser, c'est comme ça que je l'ai appelé. Pour le livre, des effets très intéressants. Vous pouvez aller dans la description, je vous mets le lien pour vous trouver le livre chez CC Magic bien sûr, avec les jeux de cartes, les miens, mais d'autres encore bien sûr, des jeux de cartes de collection. Ce soir chez Guyageux, eh bien il nous propose Contre-temps, un jeu de Jonathan Woodart. Donc le jeu, les parties durent en moyenne 30 minutes, à partir de 10 ans et plus, 3 à 6 joueurs. Les plus du jeu, eh bien, c'est que c'est un jeu subtil de plis, n'est-ce pas? Les plis gagnés ne sont pas forcément acquis, hein, vous pouvez faire un retour en arrière et puis modifier un petit peu le déroulement du jeu. Et puis enfin, il y a des références amusantes à la pop culture des cartes. Je vous mets une vidéo dans la description, de toute façon, une vidéo Ludochrono, et puis bien sûr, eh bien, www.guyageux.fr et les boutiques, vous les connaissez, elles sont là, et je serai d'ailleurs à l'inauguration de la boutique de Loche, la nouvelle boutique. J'y serai le 13 novembre, samedi 13 novembre, n'hésitez pas à venir à ma rencontre. Voilà, je ferai des démonstrations et puis vous pourrez acheter le jeu de cartes, hein, bien évidemment, des jeux de société aussi, mais je pourrais en tout cas vous dédicacer le jeu. Pour la magie, vous le savez, c'est évidemment CC Magic. Enfin, pour mon actu, retrouvez-moi à Bordeaux le 21 octobre à l'Afterwork et puis le 22 et 23 octobre au Bazar Théâtre à Libourne. Voilà, j'en ai assez dit. Je vous laisse donc avec ma variation sur les As d'Ofzinser en vous souhaitant à toutes et à tous un très bon visionnage, un bon samedi soir, une bonne magie et je vous dis bien évidemment à samedi prochain. Ciao! Nous avons déjà donc les 4 As, d'accord, et puis ici un jeu de cartes, d'accord, parfait, donc le spectateur est invité à choisir une carte, d'accord, alors mettons au stop comme ceci, la carte est choisie, montrée au spectateur, et elle est bien évidemment perdue dans le jeu, comme ceci, très bien, on va juste utiliser, d'accord, les 4 As. Donc on va se mettre comme ça. Voilà. Alors, donc as de pique, as de cœur, as de trèfle et enfin l'as de carreau. Alors, donc les 4 as comme ceci en rang. Bien. Maintenant, le but c'est de faire choisir. Tenez, on va prendre un nombre entre 1 et 4. D'accord. Alors pour ça, on coupe n'importe où. Comme ceci, on tombe sur un 2. Alors on aurait pu, regardez, à une carte près, on tombait sur un 6, alors ça marche pas. Hein. D'accord, vous êtes d'accord avec moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, bah non, il n'y a que 4 cartes, là, 4. On tomberait ici, dame de carreau, bah là, dame, non, ça marche pas non plus. Qu'est-ce qu'on a là? On a un 3, donc on tomberait là. Écoutez, j'ai coupé, on tombe sur un 2, 1, 2. Très bien, on va mettre le 2 comme ceci, parfait. Donc on a ici cœur, trèfle et carreau. Donc j'en déduis que votre carte, eh bien j'en déduis que tout simplement c'est du pic. Et c'est marrant parce que. Et où si on fait juste ça, eh ben on s'aperçoit qu'effectivement, bah oui, le 4 de pique, c'est bien votre carte. C'est quand même assez incroyable. Regardez. On va juste la laisser comme ceci. D'accord. On retourne à ce moment-là les 3 as avec le 4 de pique. Et on fait juste un petit, comme ceci, petit mouvement magique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais non, vous n'avez pas vu, regardez bien. On remet comme ceci le 4 en place, on a bien les As. D'accord, voilà, et le 4 de pique, et c'est marrant parce que voyez-vous, juste avec le petit riffle du jeu, on s'aperçoit que l'As est revenu à sa place. Et avec
Et là, vous allez vous dire, mais où est passée ma carte? Eh bien, c'est marrant, mais juste ici, sous l'étui, il y a une carte. Et ça tombe bien. Eh bien oui, c'est le 4 de pique.